Bonjour, nous allons voir ensemble comment faire pour connecter la montre smartwatch pour enfants kids connectée avec GPS et carte SIM. Comme vous voyez, je déballe l'emballage. Là, voilà la montre. Comme vous voyez, elle est bonne. Le bracelet, elle est solide avec des bons crochets. Pour tenir dans les bras de nos enfants. Voilà, je vais allumer la montre. Elle s'allume de ce bouton là. Là on a le torche, il y a la SOS. Il me demande d'insérer une carte. Je passe pour voir comment elle est. Là, c'est pour composer le numéro de téléphone. Vous voyez, le tactile et les fluides. L'annuaire, c'est pour le contact, c'est pour le numéro de téléphone. Caméra. Caméra. Album, c'est pour les photos prises ou les photos transférées sur la montre. Apprentissage, c'est une calculatrice plus mode facile, commencer. Voilà, c'est pour apprendre avec des... Comme vous voyez, c'était une proposition de jeu. Commencer, 2 moins 2 est égal à 0. Vrai. Vrai. Nouveau record. Comme vous avez vu... Il y a Bavardé, c'est l'application qui permet de communiquer entre la montre et le téléphone parent, sinon entre deux montres. Voilà. Lampe. Vous voyez, elle s'allume. Je vais l'éteindre. Et là, c'est pour les applications. Là, c'est pour télécharger l'application S-Tracker. On va revenir sur cela. Mais en premier lieu, on va insérer la carte SIM. Je vais éteindre la montre. Je vais déclipser le couvercle. Voilà. Il y a un petit trou par ici. Je pousse un petit peu, je force. Et voilà. C'est fait. J'ouvre la montre. Là, c'est pour insérer. Je vais ouvrir. Je vais mettre la montre par ici. Je prends ma carte. Je tiens à vous dire ou à vous préciser que la carte, lors de la première utilisation, doit être validée. Ce qui fait que vous devez effectuer un premier appel avec. En même temps, il doit y avoir de la connexion 4G sur la montre. Je prends, c'est la forme dont j'aurai besoin. J'insère la carte dedans. Le petit bout qui manque va être comme ça. Comme ça. Comme vous voyez. Et là, je vais fermer. C'est fait. Je ne vais pas mettre la batterie, mais par contre, je vais réallumer la montre et je vais patienter. Comme vous voyez, il n'y a pas de réseau. Et voilà, c'est bon. C'est bon, comme vous voyez, il y a ici le réseau 4G qui s'affiche. Le but de mettre une puce avec du 4G, c'est pour pouvoir avoir ce code-là.
Lorsqu'on part ici, le premier code, c'est pour télécharger l'application Estracker. Mais on a un deuxième code, c'est celui-là. S'il n'y a pas de connexion, s'il n'y a pas de connexion sur la montre, vous n'aurez pas ce code-là. Je vais laisser la montre de côté. Je vais commencer l'installation de l'application.